Salut YouTube, c'est Arcturien, je te fais des bisous, on se retrouve sur Tunic. Et c'est un cauchemar. Alors, je réfléchis et dans quel ordre je peux me les farcir? Je pense que je vais me taper les invocateurs en premier parce que ils me font vraiment très très peur. Invocateur gardien. Into. Batracien parce que ça me coûtera moins de mana. J'ai juste besoin de deux coups de grappin. Les fées, les squelettes de merde, et je finis par les bolos. Allez. Let's gong. Eux, ils sont chiants, mais en vrai, si j'arrive à les passer, ça me fait moins peur déjà. Il restera les gardiens qui sont absolument insup. Vite, vite, vite. Aïe! Oh, je l'ai trop anticipé celui-là. Mais j'ai plus d'endu. Ok. Viens là, toi. Come here, mein kleine lapin. Oh, t'es chiant, c'est puéril. C'est puéril, Bernard. Ok, ça c'est fait. Le gardien de merde. Alors, il faut que je me mette devant. Je retiens l'expérience. Je me mets devant parce que du coup, il se prend mes 6 coups. Contre seulement ça. Ah non! Ah, il m'a fait un prank ce bâtard! Ok, le I'm firing my laser. Ok. Et 2-1. Le copain. Oh non, je l'avais stunlock, quel con! Aïe. Trop con. Je l'avais stunlock et je me suis barré. En plus de ça, j'ai absolument pas besoin de le rusher le deuxième. Je sais pas pourquoi je me fais chier. J'ai juste absolument pas besoin de rusher le deuxième. Il faut juste que je flingue le premier très vite. Pour éviter que je me tape son pote. Ok. Alors, les invocateurs de merde. Ok. Aïe! Ah donc ok. Aïe, aïe, aïe. Ok. Eux j'ai la technique en fait, ça va. Ensuite je roll et je peux lui mettre un dernier coup. D'accord. Bon, eux en fait ça va. Très facile. Très très facile, il suffit de pas faire le con. Mais au moins je le sécurise en premier, c'est réglé. Ça me fait moins peur. Ok. Oh merde! Ah putain. Oh bah dommage. C'est gâché ça. Merde. Oh il est chiant. J'ai jeté deux pets comme un con. Alors qu'il n'y avait absolument pas besoin. Allez, j'y crois. Celle-là, c'est la bonne. Bon, en vrai, je vais commencer par lui parce qu'il me fait. C'est celui qui me fait le plus stresser. Enfin, il me fait pas stresser, mais c'est celui qui peut vraiment me casser les couilles. Celui où j'ai encore le plus d'incertitude sur ma capacité à le bolosser. Un petit pet, là, pour le lolz. Et voilà. Ah, ferme ta gueule. Je veux plus t'entendre. Oh, le stunlock de l'infini. Oui. Voilà. Les invocateurs de merde. Les trous ducs. Alors, deux coups. Je roll deux coups. Voilà. Oh, c'est dommage ça. Mais merde.
Ah non, mais c'est parce que j'ai plus d'endu. Voilà, ferme ta gueule, toi. Ok. Batracien, parce que j'ai juste besoin de deux coups de grappin. Donc ça n'attaquera pas toute ma mana. Du coup, je peux faire l'effet derrière. Aïe. Je prends du retard. Tiens, viens là, toi. Qu'on discute, qu'on cause. Je vais prendre la vie, voilà. C'est son pote que j'ai eu. Mais non, mais pourquoi je... C'est trop injuste. Ok. L'effet. Parce que l'effet c'est insupportable. Mais en vrai c'est facile. J'ai pas mis sur le bouton habituel. Ok, c'est pas grave. Oh, le tir au pigeal quoi. J'ai pas toute ma mana, je sais pas si je pourrais... Ah si, ok. On me file quand même deux coups, le jeu est sympa avec moi. Ah bah clairement les affreux là. Clairement les affreux. L'effet c'est insupportable, tout à fait. D'ailleurs je vais prendre mes pets là, voilà. Aïe! Bien raisonnable tout ça? Voilà. Ok. Aïe! Con, 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 con! Ne tente pas le diable, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Puis l'autre con là. Voilà. Monsieur Fake News. Fake News. J'ai les pets. Et le grappin ne me servira à rien, mais j'ai les pets. Alors je vais prendre les potions. Et là, attendez, est-ce qu'il y aurait un prank? En vrai, j'ai encore plein de potions. Donc je vais garder les potions parce que si ça se trouve, il y a un dernier boss. Le jeu me foutrait bien la douille. Si tel était le cas. Faut pas leur laisser le temps d'arriver. Oh, c'est dommage ça. Voilà. Aïe. Ok. Juste un petit coup de... Aïe, aïe. Petit pet, là. Voilà. Ça n'a servi à rien. J'ai pas du tout le démon, hein. C'est pas vrai. Prends ta potion, par pitié. Ok. Con de memes. Oh bordel. Là, yes life. Ah bah d'accord. Oh, c'est un coffre. J'ignore ce qu'il contient, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? You feel a tingling. Oh! Ah oui, c'est la couronne, ils en parlaient! Oh yes, je peux dasher dans le void, du coup.
Oh bordel, je m'en suis sorti, c'était miraculous. Ça, je m'y attendais pas. Hein. Ah, et du coup, je vais pouvoir aller choper l'hôtel de ces morts là. Sigil Avatar. Ah, et du coup, comme je peux me TP, je vais pouvoir aller prendre les trucs sur les hôtels de l'Avatar. Ah. Et me déplacer dans le monde des mours. Yes. Love it. Zoupa. Ah, on m'a redonné une partie de mes stats du coup. Mon endurance. C'est nul. Tout ce que vous avez à dire? Ouais, par contre, les trucs avec les caméras comme ça, au secours, quoi. Ah, c'est un coffre? Oui. D'accord. Mais d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en foute, moi, de ça? C'est bien beau, mais... ces conneries. Ok. Bah, je pense que c'est quand même par là que ça se joue, hein. J'ai pas de TP là-dedans, je pourrais rien en faire. Ouais, bah voilà. Ouais, d'accord, mais encore. Ah, d'accord, tout simplement. Ah. Ça me permet de monter aussi. Ah, mais il y avait un truc là. C'est l'échelle de mort là. J'ai plus d'endurance. Ah bon, mais qu'est-ce que je suis censé foutre là? Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que vous voulez que je foute là? Bah, peut-être par là, ouais. Donc je suis contraint, enfin forcé à sortir, d'accord. Ok, pourquoi pas. Hein. Vous insistez, je vais pas m'y opposer. Hein. D'accord, une confrontation répétée d'innombrables fois. Loire de Loire.
Non mais je commence à comprendre que je vais me prendre la douille, hein. Ah, mais ça c'est la plage où il y a le coffre, voilà. Ah, une pièce! Alors là, le problème c'est que je vais avoir envie d'aller partout. Absolument partout. Et que ça sert à rien. Oh, bonjour. C'est tout ce que t'as à dire? Ok. Je retiens pas, hein. Une pièce! Incroyable. Ah, d'accord. Il y a un truc de l'avatar là. J'y aille? Oui, c'était chiant, eux. Oui, c'était relou, je m'en souviens. C'est une version un peu éthérée de la musique, trop bien. Ah oui, c'était un sup. I remember now. Ah! Vu! Content, hein. Ah oui, l'art pop, bah oui. Obviously. Aïe. M'a fait sursauter cet idiot. Lequel? Lequel t'a fait sursauter? Gigo, merci pour le stream, bonne soirée. Des bisous, Minotaur, merci beaucoup d'être venu. Et à la prochaine. Ah putain, ok, j'avais pas vu le... J'étais à fond dans ton gameplay jusqu'à ce que Nesty... Miaou, maman, faim! Maman! Je veux manger, maman! J'avais pas vu... Ah, mais faut que je tombe par là, petit. Ça va pas m'aider beaucoup, mais bon. Ok. Salaud de chat, mais on t'aime quand même. Non, mais c'est ça, saloperie, hein. Mais on les aime quand même, hein. Sale bête. Encore ces sales bêtes? Ah oui, là, il y avait tous les affreux, c'est insupportable. Ah d'accord. Magnifique shortcut, hein. Ah, mais attendez, c'est peut-être juste par là, en fait, que je peux faire le tour. Non? Bah non, j'en viens de là. Con de toi. Comment je peux le choper alors? Où ça l'ambiance ici, hein? Ah, peut-être par ici du coup.
Ok. Ok, mais pas du tout. Aïe. T'es chiant, Bernard. Vraiment, c'est puéril. Hein. Alors là, je vois pas. Hein. Ah, un coffre là. Ok. Ouais. Peut-être retourner là où j'étais avant. Hein. Parce que là. Ok, bon. Casse. J'ai plus d'endu, hein. Ah non, mais il y a un truc de l'avatar, il faut que j'y aille. Mais il n'y a pas une page de manuel là, je sais plus ce qu'il y a. Il n'y a pas d'ennemi, d'accord. Ça me dérange pas hein, dans l'absolu. Ça me pose même aucun problème, vraiment. Hein? Ah. D'accord. Ça me dit pas où je dois aller, mais d'accord. Pourquoi pas? Que ça. Un chemin, on dirait. Alors pourquoi foutre? Je peux pas avoir le ce qu'il faut pour. J'ai pas la ref. Mais ça me saoule ça par contre. Il y a de quoi descendre ici. Mais ça reste un plan cul puisque de toute façon. Moi je me barrais par là aussi. Bon là il y a Jean-Jacques. Aïe. T'es chiant. Chiant Bernard. Ah les cons. Allez Bernard, fais un effort, mais oui. Mort. Bah oui, il est mort, je lui ai cassé la gueule. Ah, c'était pas lui en plus. C'est même pas lui que j'ai défoncé. Aïe. Je veux juste le coffre. D'accord. J'ai eu chaud là-dessus. Ah, il y avait un chemin là, ah oui. Pas y aller. L'indignité.
parce que là j'explore des trucs, mais... La problématique c'est que je sais pas ce que je branle, donc... C'est où le truc de l'avatar? Ouais, ça je vois où c'est. Ah d'accord, ok. Ok. Débile, débilos. Moi, je dis ça mais ça se trouve l'échelle n'est pas accessible. Peut-être pas si débilos que ça en fait. Ah! C'est un gros Bernard ça. T'es chiant Bernard. Vraiment t'es chiant. Je tenais à te le dire. Au nom de tout le monde ici, tu me casses les couilles. Oh il paie! Oh! Il pêche. Ah! Allez, alors là, je vais coin à l'infini. Hein. Je vais balancer mes pièces. Comme jamais. C'est une autre case. Petit bug. Ok. Qu'est-ce que c'est connerie? C'est quoi ce bordel là? Ah, je reviens là. Ok. Ah bah voilà. Zupa. Oh, Zupa. Bon, en fait, non. Il fallait bien que je passe par là. Bien fait de faire le tour. Alors. Oh, le... Nique les yeux. Hein. Come get some. Ok. Well, well, well. Attendez voir. Il faut que je fasse des offrandes à l'infini là. Je peux pas quand je suis dans ce monde-là. C'est une honte. Mais du coup, ça me sert à quoi de me faire chier à récupérer tout ça? C'est pour de la merde. Oh, le petit coffre là. Petit coffre de ses morts. Ça, j'ai pas compris à quoi ça servait. Hein. Ah non, Bernard est revenu. En fait, dès qu'il ouvre sa gueule, faut que je backdash. Absolument. Je prends trop de risques en faisant ça. Mais nous, ça. Oui, d'accord, ok. Simplement. Il y avait pas un truc là-bas? Oui. On va remettre l'église au milieu du village! Ah, tu m'as fait peur, Goutou. Con de mimes. Ah, petit coffre. Ah, t'as loupé... Ah! Une fleur. T'as loupé des grands moments de sel, Goodwin. Hein. Putain, j'aurais pu faire le tour dès le début. D'accord, ok. Bon de moi. Mort, oui. Tout à fait, muerte. Ça veut dire la mort en espagnol. Je me barre, rien à foutre. Rien à foutre, Bernard. Ah, tu vas faire quoi là? Ah! 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 Hein? Tu vas faire quoi? Vous avez clippé, j'espère? Ah, en soi, non, j'ai pas tellement salé, c'est juste que c'était affreusement dur. Mais vraiment, affreusement dur. Mais
Et en soi, j'ai pas... ça va. Franchement, ça aurait pu être pire que ça. Ok. Bon, ça, j'ai pas. Hein. Je vois pas comment je peux y accéder. Et la page du manuel, là non plus, hein, c'est pareil. Absolument aucun endroit où je peux passer. Ah, il y a des renards partout là, Goodwin. Alors que tu prennes sur toi. C'est important. Ouais, ok. Je reparte, hein, je pense. Là, je les ai descendus sur la plage, mais en vrai... ouais, je peux pas l'aggro d'ici, je me dis bien. Peut-être... Oh! D'accord. Spasme de mâchoire. Tout va bien, Godwin. Tout est sous contrôle. Ah, et là, il y a une page de manuel là-dedans. Ouais. Oh, bah... Ah. Hein? Page 23? Quoi? Pas taper les goupilles. Non, pas taper les goupilles. Ah, c'est pour ouvrir les portes, ça? Bas, droite, haut, gauche, haut, droite. Ok. Bas, droite, haut, gauche, haut, droite. Bas, droite, haut, gauche, haut, droite. Ah, faut que je fasse comme ça. Bas, droite, haut, gauche. Haut, droite. Gentil Goodwin, sinon on va devoir te remettre des clips de Jean-Luc en boucle pour te calmer. Ah oui, bah non, mais c'est chiant. Sainte-Croix. Ah, faut que je le fasse avec le D-pad, d'accord. Alors. Oh! Sainte-Croix? Et vous parlez dans quelle langue? Qu'est-ce que t'es... Il est pas mort. Il dort. Jean-Luc inspire. Progresse aussi à l'expire. Tout va bien, Goodwin. Ah. Elmanuel. Secret caché, contrée sauvage, itinéraire doré. Wow, what the fuck, y'a trop de trucs. Prenez la place qui vous revient. Terminez le jeu. Tu casses la gueule, c'est ça? Trollienne, inspire, égalité sociale, expire. Hein? Ça va les goûter. Cathédrale, trésor incroyable. Laurier de l'avatar. Ça, c'est vrai que là-dessus, je me suis pas fait arnaquer. Hein. Où est-ce qu'il y avait des trucs de l'avatar? Qu'est-ce qu'elle me veut, la bourgeoise, là? Si je reprends celui-ci, il se passe quoi? Mais pour terminer le jeu, faut que j'aille casser la gueule à l'autre connasse. J'ai pas envie. Ok.
Attendez voir, dans le domaine des batraciens, il y en avait un sur la toute fin, je me souviens. Il est pas marqué. Chiant. Chiant, Max. Bon, je l'ai eu ici. Ah, mais du coup, attendez, je peux aller dans le... C'était lequel? Bah, ruine du village. En vrai, c'est pas très loin. Hein. Ah, j'ai plus que 6% de batterie. Au secours. Recharger le téléphone. Hein. Le téléphono. Vers toi. Voilà. C'était où je voulais. Ah oui. Je disais la TP de ces morts là. Bon, je peux plus faire d'offrande, c'est gâché les trucs. Je vais les récupérer à l'hôtel de l'avatar, c'est bien beau, mais je peux rien en faire. Non mais j'en ai pas, c'est pour ça. Fantôme, la sépulture de l'avatar. Ah, faut que je le fasse sur les sépultures de l'avatar ? Envie de crever? D'accord. Pour faire des offrandes, faut que je le fasse à la sépulture de l'avatar sur... Ok. Ça me saoule pas du tout, hein. Mais c'était où, par contre? Et du coup, la montagne, c'est toujours fermé? Pas question. Où cette espèce de truc de merde, là? Non, c'est pas ici. C'est plus bas. Ok. Ah oui, je crois que c'était par là. Ouais, voilà. Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans, moi. C'est important, hein. Sainte Croix. Il y a un lit. Porte dans les montagnes. Fée. Hein ? À conseil et indice. Mais ça, j'ai déjà vu ça. J'utilise une potion pour ouvrir la porte dans les montagnes. Quoi? Ça m'intéresse, ça. T'as rien à proposer d'autre que ça? Ok, bah je me casse, hein. J'utilise une potion pour ouvrir la porte... Non, mais je comprends pas. Ou alors, faut que je fasse la Sainte Croix sur la porte des montagnes? Pas sûr, hein. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Ça, c'est... Comment on rentre là-dedans, tiens? Ça m'intéresse. Et ça, c'est quoi, là? Ok. Ça servait à rien, c'est génial. J'adore. Mais il n'y a pas d'échelle ici, ok. Donc je suis allé là pour R. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas après tout.
Vas-y, où est-ce qu'il y a des sépultures de l'avatar? Je me souviens plus, moi. Je veux faire des offrandes, faut que j'aille là-bas. C'est chiant. Ok. Monte. Merci. Non! Je vais aller voir. J'utilise une potion à la Sainte Croix. Voir, c'est pas du tout ça. Ok. Je comprends pas, mais d'accord. Il y avait un truc avec la porte là. Je crois que c'était plutôt vers la fin. Bon, ils sont gentils, ils me montrent où c'est. Ça, je me rappelle. Celle du bas, je sais plus par contre. Et voilà, et Renatchum. J'attends devant la porte, c'est ça? Je comprends à peine. Oh! Oh! Pour une fois que je regarde un secret d'histoire qui m'intéresse, Jeanne de Belleville, lionne sanglante, tigresse de Bretagne, une noble dont le mari a été exécuté. Oh putain, oui, j'avais vu des trucs là-dessus! Qui est passé en mode corsaire pirate. Alors tu gagnes? Bah écoute, ça va. Ça se passe pas trop mal. Oh, c'est quoi cette ambiance là? Ouf, oh, c'est chiant ça. Pour l'instant, ça va. On n'est pas trop mal. Ah. Prochain perso du samedi, Jeanne de d'April, noble et pirate à 16 heures perdues. Ouais, je sais pas si après la partie du MEDEF, je vais encore trop jouer. Wow, ok. Aïe, il me faut le... Il est où le masque à gaz, voilà. Je sais pas si je vais trop jouer à Crusader Kings encore. Une histoire intéressante. Il y a une BD qui va sortir par un certain Roger Seiter. Mais bon. Hey, do you want buy some followers? Putain, deux ce soir. Hein. Vache! Je crois que j'avais interdit les messages avec... Ah oui, non, mais non, parce que... Okay. J'étais en train de le ban aussi. Ah, mais il m'insupporte à un niveau... Ah, je suis là! Ok. Ok. C'est le Delbor ici, hein.
Ah, il est apparu pendant la seconde où je faisais une recherche Google. Non, non, mais c'est pas grave, hein. Je peux pas être toujours sur le coup non plus, quoi. Mais ça me saoule parce qu'il... Putain. Déjà deux ce soir, quoi. Au d'un moment, c'est pas de couilles. Pas grave, mais c'est pas de couilles. Ah, et du coup, je peux aller choper celui là-bas. Ah, ok, j'ai la ref. Je croyais avoir interdit les messages du chat tous. Non, j'étais persuadé d'avoir interdit certains messages dans le chat, mais c'est parce qu'ils étaient pas structurés de la même manière, donc en fait, c'est normal que cela passe. En réalité. En réalité, c'est plutôt cohérent. Mais je peux pas utiliser les poteaux, là. Oh putain, elle est con. Non, d'accord. Trop approximatif comme technique. Descends! Ok. Ah oui, il fallait que je... Oh là là, non mais là-dedans, au secours, quoi. D'accord. Alors, c'est cassé, mais pas totalement. Et puis les affreux, là. Hein. Ça me dérange pas, remarquez. Ah mais je vais rien pouvoir foutre ici. Ah oui d'accord, ok, super. Le délire quoi. Ah donc t'es vraiment obligé de faire le tour par là, d'accord. C'est bien beau mais ça me sert à rien tout ça. Moi bon, je fais un peu d'exploration là mais... Parce que je vais bientôt arrêter, donc j'ai pas envie de me relancer dans un truc en particulier. J'ai l'impression que c'est vraiment la phase explo, quoi. On pourrait aller casser la gueule à... Remarquez, on pourrait finir à aller casser la gueule à l'autre, mais le temps que je maîtrise son pattern, je vais me faire laver le cul, donc... C'est une si bonne idée que ça. Ouf. Mais alors, la porte de la montagne, ça me... Je sais pas comment qu'on le fait, hein. Je vous avoue que je vois pas bien comment qu'on fait. J'aurais peut-être une révélation d'ordre sismique, hein, mais pour l'instant je l'ai pas. Elle est pas venue. Pas encore. Not today. Je l'ai signalé aussi. Ah, bien vu. Putain, j'y pense jamais à ça. Il y en avait un autre dans le chat. Je sais pas si tu peux voir son les messages supprimés de du live, mais il y en avait un autre. Si éventuellement tu veux le signaler. Tu devrais pouvoir le retrouver, je pense. Ok. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Le game est cool. Hein. Maintenant, un peu le même problème que dans Hollow Knight. T'es quand même un peu livré à toi et c'est pas évident de comprendre. C'est mineur. C'est mineur. C'est secondaire parce que c'est pas systématique, quoi. Au moins, le jeu te donne des bribes. Ah, ça manque de commandes à l'atelier du hibou d'argent. Oui, enfin... Faut savoir raison garder, après. Je ne suis pas un mur publicitaire non plus. Tisdone. Bien, bien joué, Goodwin. Merci. Ah, mais du coup, ça veut dire que si je veux faire des... Il faut que je le fasse... Ah, c'est chiant. Le batracien... Il est vrai, bah voilà. Ok. Ouais. Je vais aussi signaler les Netchum pour commerce abusif. Non. Faut que je refasse des subs du coup. Écoute, si tu offres 3 subs par mois de manière récurrente, peut-être que je pourrais mettre une petite bannière qui apparaît sur le live tous les temps de temps avec écrit. Ouais, l'atelier du bout d'argent, mon partenaire. Mais bon, faut que ce soit un paiement régulier parce que c'est de l'image. 3 subs de niveau 3, bien évidemment. Bien évidemment. Putain, ça fait cher, hein.
Attends, c'est combien maintenant avec la nouvelle tarification, les subs niveau 3, c'est 20 balles? Quelqu'un peut checker ça vite fait? Parce qu'avant, c'était, historiquement, c'était 25 balles, mais... Signal à Cham, plus il me copie mon pseudo. Natcum, oh le bâtard. En oubliant une lettre, salaud. T'as mis nous ça. Non mais j'ai pas envie d'aller lui faire des bisous à maman, là, parce qu'elle va me casser la gueule. Ah! Ah! Mais fallait le dire tout de suite! Ça va être beaucoup plus simple de récupérer la page qui manquait, là. Partagez votre sagesse, prenez la place qui vous revient. Visez les points le pouvoir de la Sainte Croix et traversez l'itinéraire doré. 3 abos niveau 3, 60 balles. Ouais, 60 balles. La cave... Mais c'est quoi l'itinéraire doré? J'ai pas du tout envie de mourir. Soit les 15 abos que j'ai payés de base. Ah oui, bah oui. Bah ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Ah mais bon, après, c'est le commerce, hein. Mon temps d'antenne est précieux, hein. Attention. Attends, mais ça fait... Ah oui, mais oui, oui, oui. Non, mais si, si. Toi, t'as payé 60 balles. Mais moi, j'ai touché moins que ça. Là, j'ai touché la moitié. J'ai touché 30 balles. Évidemment, je comprenais. J'ai bloqué. Ah, mais parce que vous payez les subs deux fois plus cher que... Ah, ok. Sort de recherche, 19,99. Ouais, c'est ça, ok. Itinéraire de la Sainte-Croix. Ouais, non, mais ça... Itinéraire doré. Des trucs notés partout. Oh, les secrets de ouf, quoi. Mais attendez, ça veut dire que du coup, sur la map, je pourrais avoir... Il y a des numéros pour l'itinéraire? Comment ça se passe? Bon, je vais m'arrêter là, mais ça m'intrigue beaucoup, cette histoire, quand même. Parce que moi, je vois pas de numéros, là. Sur les cartes. Donc, en fait, l'itinéraire doré, comment tu le suis? Il faut que je commence à... Merci beaucoup, je ne sais pas prononcer ton blaze, Shake. Merci infiniment, Shake, pour le raid. Bienvenue à toi et à tes 11 viewers. Je suis désolé pour la destruction de blaze, hein, en live. C'était pas voulu du tout. Mais j'ai pris un peu de temps à process. Hello, El Chupito. Et bonsoir, Shake, comment vas-tu? Ah, tu es de la pépinière. Tu es de la pépinière. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi et à tes viewers. Salut, Cestial. Salut, The Platineur, hello d'April et hello le chat. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Bon, j'allais arrêter, hein. J'allais finir. T'étais sur quoi, Shake? Ça s'est bien passé? J'allais finir. On est sur Tunic, là, mais je suis... Pépite en force, grave. Je suis contrit. Je suis complètement du père. On était en bout de fin de soirée, nous aussi, justement. Non, mais je vais pas tarder à m'arrêter, parce que... La fatigue, tout ça, quoi. Il shake son booty, tout à fait, exactement. Là, on est sur Tunic. Tunic, excellent jeu, hein. On a fini Bastion. Ah oui, attends. Salut mon pote, merci beaucoup le vire pour le follow, merci infiniment. Bienvenue à toi. Petit jeu indé de 2011, et on a fait un petit scribble yo. Ouais, bon, tranquille, tranquille. Et coucou, salut le vire, et merci infiniment shake pour le follow. Mais non, mais je voulais pas revenir. Quel con, quel abruti. C'est super joli, dis donc. Le jeu est très très joli. Très très joli, très sympa, la musique est incroyable. Salut mon pote. Merci beaucoup The Platineur pour le follow. Merci infiniment. J'ai galéré à rejoindre. Terrible. Ah, le petit Scribble You. Faudrait qu'on en fasse un live 200 followers anniversaire, on en fera un. Salut mon pote. Et merci beaucoup El Chupito pour le follow. Merci infiniment à vous tous. Et merci infiniment à Shake pour le raid, évidemment. Premier jeu du génie. Ah oui, je me disais bien que c'était Super Giant Games qui avait fait ça. Alors on a beaucoup poncé Hades ici. Il m'a fait tellement de l'œil, j'ai tenté... Demander des clés à ce jeu via K-Mailer. J'ai jamais eu de réponse. Ah putain, je connais pas ce truc-là, faudrait que je regarde. Si je peux avoir des clés gratos. Hades, incroyable. Hades, on l'a terminé en live. J'y ai passé des heures. J'ai envie de le faire aussi, Tunic. Alors, il est vraiment incroyable. Très très beau visuellement. Très très sympa niveau ambiance. Il va falloir que je le platine. C'est un très bon jeu à platiner. Et je pense que par contre, tu peux y passer des millénaires. Hein. C'est très... Il y a beaucoup de contenu. Et c'est amené d'une manière assez...
Vague. T'as vraiment le temps, hein. Il y a tellement de trucs partout, de secrets dans tous les sens, c'est incroyable. Moi je vous laisse des bisous, Levir, merci infiniment pour le follow. Et puis bah à la prochaine. Et la bonne soirée, la bonne nuitée. Je croyais que je t'en avais parlé de Kim Hailer. Bah non, 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 mais Pivoine, elle garde. Pivoine, à chaque fois, typical, elle garde les bons plans pour elle. Et quand tu viens sur le fait qu'elle n'a potentiellement pas à révéler le truc, elle... Ah, mais je pensais que je t'en avais parlé. Hades 203h. Je suis pas sûr que j'y ai. Désolé de pas rester longtemps, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas otage, hein. Vous n'êtes pas otage. Faites de beaux rêves. Merci toi aussi, des bisous. La bonne nuitée. Ouais, Hades, je sais pas combien j'y ai. La pire, non, mais la pire de toutes. Je parlais de moi. Ah, toi, t'as fait 203 heures. Oui, non, mais je sais pas combien moi j'en ai fait. C'est ça, ma question. C'est vrai que tu as un super pseudo. Non, mais voilà, voilà. Des bisous. Des bisous, Levir. Otage, otage mal. Exactement. Oh là là, on a un Minotaur V2, là. Attention, ça, ça manie l'art de la Kleine Blagounette. Vous n'êtes pas otage, vous. Oui, bah, vous êtes pas obligé de sub, hein. Hein, vous êtes pas obligé de claquer votre CICE ici, hein. N'hésitez pas à sub, quand même. Le rat. Mais ouais, non, Tunic est vraiment incroyable. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tunic est vraiment... vraiment très très chouette. La musique est géniale. Le gameplay est super, très exigeant par contre. Donc il cache bien son jeu, le machin. Mais par contre, ouais, il est vraiment très très cool. Mais là, je suis un peu largué parce qu'au bout de 3 heures... exigeant, ouais. Ouais, très très dur. En fait, y a... si tu veux, t'as toutes les clés... T'as ce manuel, enfin en gros tu récupères des pages du manuel, donc c'est à toi de faire de l'exploration, et on te donne plein de concepts au fur et à mesure, donc c'est assez bien amené. Maintenant c'est très très dur, et par exemple au niveau des timings, tu vois quand tu fais ta roulade, bon bah là je l'ai plus parce que j'ai l'espèce de dash de c'est mort, mais ça ressort pas du tout visuellement parlant, c'est bon à savoir. Alors oui, par contre c'est vrai que le jeu t'accueille avec beaucoup de sympathie, par contre dans les 17 secondes après que t'aies cliqué sur nouvelle partie, le truc te nettoie le cul à l'ammoniaque. De façon très énervée. Voilà, il y a un plaisir. Il y a un plaisir. Il y a un plaisir de dire « Oh, c'est tout mimi, puis tu te fais défoncer, quoi. Mais très exigeant, il y a plein de petits trucs à savoir, genre sur la roulade. En gros, t'as que la moitié de la roulade qui te donne une frame d'invincibilité. Et après, tu peux te faire défoncer. Donc, tout est question de timing. Et ouais, ça se joue souvent au poil de cul. C'est très exigeant. Mais très, très chouette. Très, très chouette à faire. Mais de toute façon, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà... C'est déjà pas mal en vrai, là on vient de passer une séquence assez pénible. Donc on a passé une heure, je pense une heure dix, une heure dix sur une séquence assez chiante où faut que t'enchaînes des vagues de mobs. Et du coup fallait calculer quoi, fallait faire des calculs. Est-ce que j'ai encore assez de mana pour faire cela? Parce qu'il faut que je fasse ci, etc. Pénible. Pénible au possible, mais on s'en est sorti quoi. Un peu de souffrance malgré la beauté, c'est exactement ça. C'est bien les poils de cul, tu peux rembourrer des oreilles avec. Tout à fait, tout à fait. Tu peux même rouler des clopes avec. Ah, un jour, je vous raconterai cette anecdote. Un jour, mais pas ce soir. Je précise qu'évidemment, je n'ai pas fumé cette cigarette. Mais il est possible qu'une personne l'ait fait sans savoir que... Enfin voilà, bref, je vous raconterai. Un jour, je vous raconterai. Et je précise également que ce n'était pas mes poils de cul. Tellement envie de savoir maintenant. On en reparlera. Je vais pas pouvoir dormir. Je vous laisse un peu mariner avec ça, je vous laisse un peu imaginer le degré du truc. Et ensuite, pendant un autre live, je vous raconterai l'entourloupe. J'aime le rire du mec qui connaît une blague, mais qui la raconte pas maintenant. C'est toute la saveur du truc, quoi. Vous allez vous régaler devant la violence. Oh oui, oui, alors là, par contre, la violence, il y en a, quoi. Des bisous YouTube, on se retrouve très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé.